Seigneur, fais-nous dans ta maison. Qui sait que le Seigneur a fait pour tes enfants. Qui sait que le Seigneur a fait pour tes frères aussi. Père, tu élèves la voix et dis-lui merci. Père, tu élèves la voix et sois reconnaissant au Seigneur Jésus. Parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Peut-être que devant les hommes, c'est un problème, mais devant Dieu, c'est bon. Alors, bien aimé, élève la foi, élève la foi, et dis merci au Seigneur Jésus. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci, bien aimé, pour ma santé. Dis-lui merci, bien aimé, pour la nourriture qui te donne. Dis-lui merci pour les vêtements qui te donnent. Dis-lui merci, parce que devant les fois, quand tu nous arrives à dormir, bien aimé, il y a des personnes à couper ici. Dehors, il y a des enfants qui vont devant les magasins, les lieux. Il y a des gens sous les têtes du marché, sous les ponts. Mais bien aimé, le Seigneur te fait la grâce. Même si tu ne manges pas, même si tu n'arrives pas les fois dans la joue, mais tu as un toit où dormir, bien aimé. Même si tu manges une fois dans la joue, mais tu as un toit où dormir, bien aimé. Tu peux lui dire merci. Regarde tout ce que
On croyait que le Seigneur était avec nous. Bien aimé, il juste à ce que
la vérité jusqu'à ce qu'il plaise au Seigneur de nous faire sortir de ces églises-là. Bien aimé, beaucoup n'ont pas eu cette chance-là. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce que nous avons aujourd'hui. Et d'autres, ces personnes sont mortes dans leurs péchés. Ces personnes sont mortes dans l'alcool, dans l'impudicité, dans la drogue, dans la cigarette, dans le mensonge, dans le commérage, dans la prostitution. Mais bien aimé, le Seigneur t'a fait la grâce. Le Seigneur nous a fait toute la grâce de sortir encore de ces endroits, de sortir encore de ces églises bien aimées, et de venir dans son église véritable bien aimée. Alors, Seigneur, encore, c'est une grâce bien aimée. C'est une grâce parce que pour vous, on baille cette grâce-là. Alors, bien aimée, tu vas encore dire merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur Jésus. Parce que tu as manifesté encore son amour. Tu as manifesté encore son amour. Parce que tu es en sortie de ces endroits. Parce que tu es en sortie de ces endroits. Alors, bien aimé, Dieu encore merci. Dieu encore merci. Au Père éternel, je veux faire ton amour. Au Père éternel, je veux faire ton amour. Parce que je regarde ton amour. Là où je vis, il est. Là où je vis, il est. Je ne dis pas combien de choses. Je ne dis pas de choses. Parce qu'en réalité,
Charles n'est pas vécu. Sois-tu moi encore faire du toi à l'éternel.
Tu assumes encore péché contre Dieu. Tu assumes encore ce qui est mal à tes yeux, à ses yeux. Parce qu'en réalité, le livre de Jean dit que celui qui n'a pas péché, il se fait menteur. Bien aimé, depuis Adam, jusqu'à Moïse, comme l'Écriture veut déclarer la mort, la mort ce n'est autre que le péché. Oui, et donc par le sang d'Adam, toute personne a été contaminée par le péché. Toute personne venue à l'existence dans ce monde si bas a commis des torts. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a plu que par son sang, qui est versé à la croix de Golgotha, nous soyons sauvés. Amen. Nous soyons rachetés de tout péché. Amen. Nous soyons rachetés de toute iniquité. Amen. Mais ce sang qui est versé, cela ne voudrait pas dire que dès que nous péchons, nous devons demander pardon à Dieu. Mais c'est en réalité parce qu'il a versé son sang que nous avons la capacité de lui demander pardon afin que nos péchés puissent être effacés. Amen. Alléluia. Amen. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Il a été maltraité. Il a été humilié afin que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Donc pour cela, on parle des petits déclarations. Dans le livre de Actes 17:30, Dieu, sans tenir compte des grandes d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et à toutes les qui est à se répentir. Dans la réalité, c'est la repentance. C'est un message qui est très très important. C'est un message qui est sanitaire de notre âme. Donc, il ne faut pas discuter avec la repentance. Il ne faut pas vous montrer au Seigneur Jésus. Tu ne vas pas se battre. Tu vas encore prendre une position d'humilité. Bien aimé. Tu vas regarder au plus profond de toi-même. Bien aimé, regarde au plus profond de ton cœur. Tu vas au plus profond de toi-même. Bien aimé, regarde au plus profond de ton âme. Et tu vas demander pardon à Dieu. Bien aimé, commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Tu vas demander pardon à Dieu. Bien aimé, commence à te répondre sincèrement. Parce qu'en réalité, bien aimé, réponds-toi. Tu n'as pas mal à conformer à ta parole. Parce que tu n'as pas désobéi à sa parole. Bien aimé. Thank you.
spécialité ce matin. La délivrance, bien aimé. Je connais ta sincérité ce matin. Bien aimé, tu es sincère dans la réponse. Tu vas me faire le Seigneur Jésus. Tu vas commencer à te libérer. Tu vas commencer à libérer ton frère de la colère. Tu vas commencer à libérer ton frère de la haine. Tu vas commencer à libérer ton frère, bien aimé. Tu vas me faire la colère. Bien aimé, lève le péché. Bien aimé, l'orgueil. Tu vas commencer à sortir de toi. Parce que tu as été sincère. Parce que tu as été sincère. Alors, bien aimé, le péché. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, Jésus.
Thank you.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Hébreux 6, le verset 4. Hébreux chapitre 6, verset 4. Amen. Amen. La parole de Dieu avec respect. Amen. Car il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, donc au verset 5, et les puissants du siècle à venir, au verset 6, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Bien-aimé, il faut lire encore. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4, au verset 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, alléluia, qui ont goûté le don céleste, amen, qui ont eu part au Saint-Esprit, amen, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, amen, et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Donc, bien aimé, parce que par exemple, le Seigneur est venu comme des coquilles. Quand le bourreau est à Saint-Denis, est venu, le Seigneur a fait plusieurs choses pour toi. Mais le Seigneur te dit quoi? Si tu retournes encore dans le monde, tes pères viennent que tu sois sauvé. Alléluia. Tes pères viennent que tu sois sauvé. Donc, quand tu es venu, tu as connu la vérité. Quand tu es venu, tu as même assis que c'est la vérité. Tu as dit, oui, c'est vrai, le Seigneur est ici. Oui, c'est vrai, il dit la vérité. Le Seigneur se manifeste sur le monde. Et puis, tu retournes encore dans le monde. Bien aimé, si toi encore tu es venu, tu as découvert la vérité, et tu retournes encore dans le monde, sache que le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Amen. C'est pas évident. Parce que les églises, que tu crucifies Christ. Alléluia. Amen. Tu crucifies le sacrifice de Christ. Amen. Tu crucifies le sacrifice de Christ. Bon, toi qui as connu la vérité, le fait est que tu es resté. Toi qui es venu, le Seigneur a fait plus de choses pour toi. Il te donne à rester. Il faut que tu restes dans cette barque-là. Amen. Tu vas entendre plusieurs bruits à côté. Mais bien aimé, reste dans la barque. Vérité. Parce qu'en réalité, nous sommes à la fin des temps. Donc ce n'est pas le moment de fléchir. Ce n'est pas le moment de tomber. Ce n'est pas le moment de retourner dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur de l'Égypte, t'a fait sortir du monde. Il t'a fait sortir de tout tes volumes pour que tu puisses le servir. Mais il t'a pas dit qu'il t'a fait sortir du monde que tu puisses le mettre dans le monde. Non, ce n'est pas le dire la vie de la démission. Il a pris le peuple d'Israël. Lorsque le Seigneur l'a fait sortir de l'Égypte, il a donc commencé à mourir. Et ils sont morts. Et bien aimé, actuellement, eux ils sont restés en Égypte. Comme ça, il y a plusieurs qui ont été sauvés. Eux aussi ont commencé à murmurer. Alléluia. Bien aimé, tu commences à murmurer aussi, tu vas mourir. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort spirituelle. Parce que quoi, tu vas retourner à ton folie. Tu vas retourner à ton péché. Donc, bien aimé, prends garde à ton âme. Prends garde à ton âme. Prends garde à ton âme. Ton âme est très importante. Il suffit d'une petite erreur pour pouvoir perdre le salut. Une petite erreur que tu perds le salut. Parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé. Il t'a donné les commandements, comme encore les préceptes, afin que tu puisses marcher, comme tu puisses vivre. Comme il a demandé, mais comme il le veut. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Amen. On est au Matthieu 5, 15. Nous allons comprendre quelque chose encore. Matthieu chapitre 5, verset 15. Alléluia.
Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. On n'allume pas une lampe. On n'allume pas une lampe. Pour la mettre sous le boisseau. La met sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. On la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Afin qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Amen. 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 Matthieu chapitre 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alléluia. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Amen. C'est moi, Dieu, vous expliquer. Qu'est-ce que tu as compris? On a le droit. Il a le droit. Alors, on dit, on n'allume pas les lampes pour mettre le boisseau. D'accord. Voilà. Le boisseau, c'est comme une table. Mm-hmm. Voilà. Donc, on se met la lampe en bas, elle n'arrive pas à éclairer une pièce. Voilà. Si on la met sur la table, automatiquement, elle arrive à éclairer la pièce. D'accord. Lorsqu'on est transposé sur la vie chrétienne, c'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière. Voilà. La lumière, la vérité, la lumière qui est en nous, nous ne devons pas nous cacher. Nous devons exposer Christ au monde entier. Alléluia, Dieu est son esprit. Il y a un problème de vision. L'esprit est un passé, c'est ce passé. Ah, tout le monde a dit, mais il n'y a pas de vie. Il va dire encore. Non, la seule vérité, la vie va expliquer. Non, la seule vérité. Bon, je vais venir encore. Matthieu 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Amen. Ce que nous apprenons, c'est qu'on a reçu du Christ, on ne doit pas dormir avec. On doit sortir, évangéliser, faire l'œuvre de Dieu, méditer, prier. Après, si tu dois avec, alors on va se dire. Nous nous donnons un mot. Shalom. Alléluia. Et en tant que lumière, on peut cacher aux yeux du monde. Parce que quoi, Dieu nous met dans la maison, on peut pas nous ça dit pas qu'on va monter tout en bas, mais ça veut pas qu'on va manifester l'orgueil. On va. Il faut bien expliquer. Parce que vous allez manifester l'orgueil, ouais, c'est moi. Non, c'est pas ça. Mais, comme le frère a dit, tu dois opérer à ton comportement. D'abord, habillement déjà, c'est une lumière. On va te différencier. Et toi et puis de la femme païenne, pour que les soi-disant chrétiennes, voilà, disent que Dieu regarde le cœur, on doit faire la différence. Donc déjà, tu es clair, mais quand tu regardes, ma soeur, tu as des différences, et puis on t'a posé même. Tu veux pas mais aussi les parler, on va sentir la douceur, on va sentir l'amour, le pardon, le partage, tout ça. Quand tu fais ça, tu es clair. Amen. Voilà, mais c'est pas que tu dois aller manifester le rancœur, parce que c'est ça que tu vois. Ok. Donc, ce que vous avez dit, homme de Dieu, la première phrase. Matthieu 5, 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alléluia. Donc, elle devient. Donc, devient. Mais l'esprit est un. Dieu même, c'est ce passage qui a fait pareil. Et Dieu merci, lui aussi, il a vu. Donc, ce qui ne permet pas de prendre. Ok. Donc, on a une lampe, la mèche, le boisseau. On est parlant physique, on a une lampe.
Là, j'ai dit, non. Donc, comme mes frères ont dit, le poisson, c'est quelque chose qui sert en réalité, vraiment, pour être attaché à la lumière. Voilà, c'est lui qui est attaché à la lumière. Mais au-delà du physique, nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, je ne l'ai pas vu l'interprétation, on voit l'explication des écritures. L'éducation de tout ce qui est pour vous. Quand je deviens le poisson, quand je donne un livre de maths, là-bas, ça donne plus d'explications. Voilà. Et voilà. Tu peux parler, là, je vais donner un livre, voilà. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, tu dois vous signifier à quelqu'un que toute personne qui a besoin de délivrance, il doit avoir la lampe. Si tu n'as pas la lampe ou encore, la lampe, ou bien lumière. Toute personne qui veut délivrer a besoin de la lampe ou la lumière. Alléluia. La lampe, la lumière, c'est toute chose. La lampe, vous dites la lumière. Amen. Amen. Donc toute personne qui veut délivrer a besoin de ça. On dit appeler ça. Pour être délivré. Amen. Mais nous allons chercher à comprendre. Nous, on n'a pas besoin de la lampe que les hommes ont créée. Homme de Dieu, Proverbe chapitre 6, le verset 23. Proverbe chapitre 6, le verset 23. Ok. J'ai la parole de Dieu avec respect. Proverbe 6, verset 23. Alléluia. Car le précepte est une lampe. Le précepte est une lampe. Et l'enseignement une lumière. Et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction. Et les avertissements de la correction. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils sont le chemin de la vie. Alléluia. Donc, du type passage de culture, nous devons comprendre qu'en réalité, la lampe ou encore la lumière dont il s'agit, ce sont les préceptes et l'enseignement. Voilà. Toute personne qui a assemblé les saints a besoin encore des préceptes, encore des enseignements pour pouvoir avancer. Une assemblée où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de préceptes, vraiment c'est difficile. Donc là, il y a des personnes qui vont dire que quand on leur parle, on ne met pas mèche, nous on est plus sous la loi, on est sous la grâce. Dieu nous a changé. Moi, les processions, les tout cela, les tout la regarde, on veut marcher comme on veut. Mais ils n'ont pas compris en réalité. Parce que l'apôtre Jacques pouvait dire, moi, t'as. On prend le passage, Jacques chapitre 2. Jacques 2. Jacques chapitre 2, un instant. Jacques chapitre 2. On parle de la foi avec le Dieu, la vie de moi qui est. Ça va, pas mal, merci. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acception de personne. Comment est-ce que tu as vu la tour? Si vous n'avez pas vu trouver là, vous pouvez trouver. Mes frères, il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Alléluia. Donc ça ne passe pas de la même. Si toi tu dis que tu as la foi, l'autre dit qu'il a la foi, l'autre dit qu'il a la foi. Donc on va démontrer cette foi-là à travers par nos œuvres. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi et puis n'a pas dans les calomnies, est-ce qu'il a la foi?
Quelqu'un qui dit qu'il a la foi et il envoie de la diffamation, est-ce qu'il donne la foi? Quelqu'un qui dit qu'il a la foi et il envoie de la murmure, il envoie de la calomnie, est-ce qu'il a la foi? C'est ça en réalité. Je ne veux pas dire que toi tu as la foi, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, ça tu continues à mettre toi-même, tu continues à être jaloux, ton frère, ton corps et ta soeur. Bien aimé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de ça qui s'agit en réalité. Alléluia. Ce n'est pas de ça qui s'agit en réalité. Lorsque tu dis que tu as la foi, tu dois démontrer cette foi-là. Il faudrait que tu montres au Seigneur que tu as la foi. Alléluia. Amen. Mais tout le monde peut s'élever comme la vision dans le monde. Il va dire, moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Mais tu as fait quoi pour ta foi? Tu as la foi, mais on te voit toujours dans les maquis. Tu as la foi, mais on te voit toujours dans la cigarette. Tu as la foi, mais toi tu es en train de critiquer, tu n'as pas la foi. Les gens, quand ils parlent qu'on dit ça la foi, ils s'arrêtent de dire que, bon, moi et moi je dis que c'est fini. Les gens aussi ils disent que non, il y a des gens qui disent, ce qui croit être au peuple du Seigneur, c'est plus, et qu'on dit que tu seras sauvé. Donc, moi je crois qu'on est fini. Ils ne veulent pas faire des fautes. Ces personnes en réalité n'ont pas la foi, ils ne vont pas comprendre quelque chose. Parce que si tu as la foi en réalité, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois mettre en pratique les écritures, les commandements du Seigneur. Dans cela, on dira que tu as la foi. Alléluia. Amen. Amen. Je vais mettre les passages. Mon thème de base. Le thème de base, c'est Matthieu 5:14. Jacques 2:17. La parole. Non, personne ne va se réveiller, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Alors on a des soucis. Lorsque tu n'as pas la parole, tu n'as pas l'enseignement, c'est difficile. Toute personne peut venir et puis il va se dire que tu n'es pas vrai. Voilà, comme aussi tu n'as pas la parole, ça va être difficile. Voilà, donc voilà pour les choses qu'on peut dire. Non, on me dit. Ok, tu lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Les épées disent que le témoignage de deux ou trois, c'est la vérité. Donc nous avons les deux témoins. Nos deux témoins, on ne va pas aller chercher. Nos témoins, ils sont les écritures. Alléluia. Amen. Nos témoins, ils sont les écritures. Ils sont les écritures. Voilà. C'est la même chose. Donc en réalité, nous avons compris ce que c'est que la lampe en réalité. Donc tout chrétien doit avoir la lampe. Tout chrétien doit avoir l'enseignement. Tout chrétien doit avoir la parole. Alléluia. Tout chrétien doit avoir la parole. Là, alors si quelqu'un va te dire que demain il a vu Jésus là-bas là. On dit pas non avec ça. Il va dire qu'il a vu Satan là-bas. Attends, la vie Satan dit. Alléluia. Donc, ayez la parole. Méditez. C'est très important. J'ai une bien méditation. Cherchez les choses cachées. Amen. 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 Cherchez les choses cachées. Fouillez dans les écritures. C'est important.
On dit que le notre aide va la continuer. Allez, continuez. Jacques, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. On dit, s'il te plaît. On dit, s'il te Donc, Matthieu chapitre 5, avant de passer là, oui, on n'arrive pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On n'arrive pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise. Non, non, non. C'est bon. On n'arrive pas maintenant pour la mettre le boisseau. Dans le boisseau, on a déjà d'abord. On va essayer de mettre le boisseau. Le boisseau, on va déjà d'abord. D'accord. Maintenant, deuxième ligne. On n'arrive pas maintenant pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Sur le chandelier. De votre vie. Non, ça va. Donc, on dit que on a une peine pour la mettre le boisseau. Pas le boisseau physiquement, avant de tout le boisseau, c'est quelque chose qui cache quoi la lumière. Alléluia. Mais on n'a même pas sur le chandelier. Donc, la lampe, on va la mettre sur le chandelier. Mais le chandelier, qu'est-ce que c'est en réalité? Vous connaissez le chandelier là, physiquement? Non. Moi, il n'est pas destiné. C'est pas la même. Voilà. Après, vous pouvez pas distribuer les plus négatifs. Oui, oui. Donc, ça, c'est donc, on peut mettre les lampes là au niveau du chandelier afin qu'elles puissent éclairer toute la maison. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que le chandelier? Venez en tant que petit, tout ce qu'on a dans le chandelier. Ça, Zacharie, chapitre 4, verset 2. On va voir le chandelier là-bas. Ça, le problème là, vous dites pas aujourd'hui, moi, des livres, n'avez pas nous qui avons fait ça. Zacharie, chapitre 3, verset 2. Verset 2. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Il me dit, Que vois-tu? Je répondis, Je regarde et voici. Il y a un chandelier. Il est tout d'or. Surmonté d'un vase. Il porte sept lampes. Avec sept conduits. Les lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc les lampes sont au sommet du chandelier. Bon, on va pas dire les sept lampes. Et puis les lampes du ciel, le chandelier. Donc on nous dit que le chandelier est surmonté de quoi? Sept lampes. Donc en réalité, ça veut nous dire quoi? Sur le chandelier là, on met des lampes pour pouvoir éclairer la maison. Ça veut dire pas avant, il y avait une bois là. Les gens étaient ici, ils pouvaient nous voir aussi, ils ont des trucs, ils peuvent éclairer. Voilà. Les gens pouvaient éclairer la maison, c'est ça. Mais quand on est celui-là, on dit, et puis on met la lampe, on peut y arriver dessus, il a permis d'éclairer. Donc vous voyez, donc en quelque chose, dit par là, à Zacharie chapitre 4, verset 2, le chandelier aussi permet d'éclairer la maison. Tout comme la lampe permet d'éclairer la maison. Donc en réalité, ces deux-là, ils se rejoignent. Voilà. Donc c'est plus le chandelier aussi. Ça permet d'éclairer la maison. Il y a pas que je peux avoir des gens dans tout le monde comprend un peu. Qui ne comprend pas? On va voir aussi cela, donc on comprend. Tout le monde comprend. Alléluia. Non, ça n'est pas ce qui est là. C'est pareil. Quand je suis dans la langue, il m'a aussi dit qu'il y a la maison. Alléluia. Donc nous sommes en train d'avoir expliqué les quelques mots en fonction des écritures. Les mots qui sont dans le passage, c'est un peu plus de postage. Du coup, dans Matthieu, ça a pu être le petit. Voilà. Donc on va finir. On va continuer. Matthieu chapitre 5 de verset 15. Matthieu chapitre 5 de verset 15. On va faire un peu rapidement.
Moi, je me la vie. Apparemment, je ne peux plus parler de mais ça va aller mieux, c'est de vous faire. Matthieu, chapitre 5, verset 15. Oui. On n'arrive pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Non, le boisson a été dessus, oui. Mais on la met sur le chandelier. On la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, lorsqu'on va allumer la lampe, on va la mettre sur le chandelier, on ne va pas la mettre sur le boisson. On va la mettre sur le chandelier, vous ne pouvez pas toute la maison soit éclairée. Par exemple, ici là, si c'est noir, on va allumer cette lampe-là afin que toute la maison soit éclairée, afin que cette pièce soit éclairée. Voilà, ça que c'est le chandelier en réalité, pardon. Mais nous, en tant que chrétiens, comme je le dis toujours, nous aussi on a notre maison. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1. Nous allons comprendre en réalité la maison dont il s'agit. Ecclésiaste 5, 1. La maman doit arriver là, c'est bien. Ça va pas? Non, faut tenir, c'est Jésus. On est même pas Jésus. C'est Jésus qui va te voir. Comme Dédé éclate à tous ces mauvais éléments. On fait partie, mon célèbre. C'est comme ça. Jésus m'a appelé, il m'a dit, il m'a dit, on ne peut pas passer à vous. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1. Donc nous allons continuer, on va continuer. On va continuer. On va continuer. Vous allez comprendre la maison de Dieu. Dieu aussi va la maison. Ecclésiaste 5, verset 8. Verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Faut pas te presser d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Pour pas te prêter d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Et toi sur la terre. Et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et bien c'est mieux. Oui. Prends garde à ton pied. Prends garde à ton pied. Et puis ça dit, prends garde à ton pied. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que. Pour offrir le sacrifice des insensés. Alléluia. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Donc on dit, quand tu entres dans la maison de Dieu, fais très attention. Fais très attention. La maison de Dieu, c'est quoi la maison de Dieu? La maison de Dieu. Aïe. La maison de Dieu. Tous, démarre l'église. La maison de Dieu, c'est en réalité l'église. L'église qui est née pour ça avoir le droit. Tous, démarre l'église. C'est aussi dans la maison de Dieu. Maison de Dieu est dans l'église. Je me dis à l'église là, c'est pas un bâtiment construit comme ça, au même petit à tout l'église a des fois, On se rassemble dans les lieux, on va prier. Il y a des gens qui ont des églises là, c'est bâtiment. Oh, mon église est jolie là. Mon église là, il n'y a pas là-bas à dessiner ça. Non, église. Donc, maintenant, il y a des églises. Alléluia. Amen. Non, désolé, vous pouvez tout simplement amener. C'est pas mauvais. Quelle est la politique? Homme de Dieu, on va continuer encore. On va faire plus la conclusion. Matthieu 5.
Et bien vous voyez. Et votre lumière luise. Ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient. Si Kings on ne peut pas aller. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Oui. Mais on la met sur le chandelier. Mm-hmm. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ah, c'est une dada à la vie. Oui, ça. D'accord, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en terminant, nous avons fini d'expliquer ces différents, on va dire, les mots-clés. Voilà, nous avons expliqué un peu doctrinalement. Voilà, il y a plein de gens qui nous font la doctrine, on peut vous parler. À terminer, c'est ce que vous faites pour aller au ciel. Voilà. C'est-à-dire que vous faites pour aller au ciel. Il faut avoir la parole. Mais ben, si tu n'as pas la parole, il y a un vote qui va être fou. Votre fait, on ne réalise pas. On est plus dans la doctrine. Toute personne qui va, qui n'a pas la parole, qui vient prendre les informations, les calomnies, parce qu'il n'a pas le véritable enseignement. Parce que comme les autres assemblées, ils disent que eux, ils font les vies, mais en réalité, ils n'ont pas la parole. Ils font les vies, mais ils ont mis les têtes. Ils font les vies, mais on ne leur dit jamais, mais vous ne les tuez pas. Arrêtez de mentir, tout ça, toutes ces genres de choses-là. Voilà, donc lorsque tu as la parole, tu es plus éclairé. Voilà, je veux dire que tu as de l'avance, tu sais ce genre de choses-là. Alléluia. Amen. Donc tu aimes ça, tu es un peu dans la doctrine. Nous allons entrer un peu dans la révélation. En milieu. On va lire encore notre page. On a fait ce qu'on ne pas. Lecture. Matthieu 5:15. Matthieu 5:15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alléluia. Donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Nous avons expliqué la lampe terre à terre dans les Écritures. Nous ne sommes pas allés loin. Maintenant, au-delà de ça, nous allons entrer un peu dans la révélation pour voir en réalité qu'est-ce que la lampe. Car on avait dit que la lampe était pareille que la lumière. Sinon, pour le chapitre 6, verset 22, 25. En plusieurs. Donc, on va prendre Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit. Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Donc en réalité, la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit qu'au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc en réalité, la parole dont il s'agit, en réalité, c'est Dieu. On nous avons dit que la parole, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc en réalité, toute personne qui est venue sur le vide a besoin de sa lumière pour que sa délivrance puisse être opérée. Alléluia. Toute personne a besoin de la lumière pour qu'il puisse continuer à vivre. Si tu n'as pas la lumière, malheureusement, tu vas mourir. Si tu n'as pas la lumière, malheureusement, c'est la mort. Alléluia. Dans un véritable Dieu doit avoir la lumière, il doit avoir Jésus et son enseignement. Voilà, c'est en réalité. C'est à ça que nous voulons venir. Vous dites que quoi? Quand nous sommes ici, il n'y a même quelqu'un comme Dieu qui va vous délivrer. Il n'y a même quelqu'un comme Dieu qui va vous créer une grande extraordinaire. Mais c'est la lumière que Jésus qui c'est lui qui va vous sauver. C'est lui qui va briser les liens des familles, qui va briser les liens de la solitude. Il va briser les liens de tout péché, les liens de calomnie, les liens de l'humour. C'est ça en réalité, celui la véritable lumière. Alléluia. Homme de Dieu continue. Matthieu 5. Donc c'est ça. Bon, on va pas écrire tout ça. Ça a une autre étude de type. On a expliqué un peu de la doctrine. On a dit que vous doivent être, il faut pas le ciel. Il faut avoir la parole. Et lorsque tu as la parole, tu dis les lumières, tout ça, c'est tout ça. On a fait, on a expliqué la doctrine. On vient d'expliquer en réalité qu'est-ce que c'est que la lumière dans la révélation. La révélation va se dire bien cachée. Et elle est de plus. Amen. Avant de continuer la lecture de Matthieu chapitre 5. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Oui.
met en la main sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Maintenant, on va venir dans notre boisson. Il est venu, il est un bon boisson. Boisson. On a déjà dit que le boisson est pas tout ce qu'il dit. Alléluia. Maintenant, on va entrer un peu dans la révélation. Et puis, je vais venir dans la boisson. Le boisson, qu'est-ce que c'est en réalité? Donc, de façon physique, nous avons dit au préalable que le boisson, c'est quelque chose qui sert à cacher la lumière. C'est quelque chose qui sert à fermer la lumière. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fermé? Par exemple, la lumière des Égyptiens. Donc, qu'est-ce qui a fermé la lumière? Mais qui a fermé la lumière? Alléluia. On dit Jean chapitre 1, le verset 17. Ok, il y a plus les passages. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée à Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc en réalité, nous avons dit qu'il y a quelqu'un qui a caché la véritable lumière. Lorsque les gens ont vu Moïse, ils ont pensé qu'ils avaient la lumière. C'est pourquoi Jésus leur dit, vous avez vu le Jésus peu des temps de la lumière que vous avez. Il s'agissait de Moïse. En réalité, Moïse c'est la petite lumière. Mais Jésus-Christ c'est la grande lumière. Il est venu afin que nous tous soyons sauvés. Parce qu'en réalité, la loi de Moïse ne pouvait pas amener à la vie. Alléluia. Donc c'est ça en réalité. Amen. Amen. C'est ça en réalité. Quand nous avons impliqué dans la prophétie. Voilà. Nous avons impliqué dans la prophétie. Qu'est-ce qui est en réalité le boisson? Le boisson, nous avons dit, c'est la petite lumière. Ça va un peu. Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas? Qui n'a pas compris quelque chose? On s'en va, hein? Si on s'en va là. D'accord. Donc, là, on va écouter le dernier. Donc, on a dit que dans l'aspect de la prophétie, on a dit que le boisson dans l'aspect de la prophétie. Voilà, dans l'aspect de la prophétie, nous avons dit que le boisson était la petite lumière qui était Moïse. Voilà, c'est lui en réalité. Maintenant, dans l'aspect de la révélation, le boisson aussi, il a sa signification. Il y a une importance qui me dit, on a la connaissance, doctrine, révélation, prophétie. Voilà. Donc, il y a une des quatre modèles. Donc lorsqu'on est dans la révélation pour étudier le boisson maintenant, nous avons dit que le boisson c'est en réalité le diable. Pourquoi c'est le diable? Parce que c'est le diable qui détourne les enfants de Dieu d'avoir la véritable lumière. C'est le diable en fait qui place les écailles devant les yeux des enfants. C'est lui qui endurcit le cœur afin qu'il ne puisse pas découvrir la vérité. Quand on appelle la révélation, nous disons que le boisson en réalité c'est le diable, c'est Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans l'appel de la révélation, le boisson est en réalité le diable. Il fait quoi? Il cache la lumière pour nous enfants et les affaires qui ne peuvent pas découvrir à Saint-Denis. Alléluia. Amen, amen. D'accord. Tenez-vous de vous dire à la vie de ce Nous avons commencé. Pourquoi vous attendez?